Les Saint-Paulois supporters des Bleus semblent avoir été comblés par le match d'entrée de l'équipe de France en Coupe d'Europe hier soir. C'était extraordinaire, c'est une bonne équipe de France qui a maîtrisé son match. Et voilà, c'est avec des bons joueurs. Il manque un petit peu encore de réussite, je pense avec un petit peu, peut-être avec un petit peu plus de, comment dire, qui vont jouer ensemble, peut-être qu'ils vont trouver les automatismes qu'il faut. Il y a peut-être un petit regard au niveau de ça, mais après, je pense que l'équipe de France, elle est au top, je crois, pour le moment. C'est super, trop fort. L'équipe adverse, il ne gagne pas, il ne fait rien. Là, le jeu, solide défensivement. Je pense va aller loin, en finale, ouais. Assez performant quand même. Pour un début, bon, ça va pas mal, mais bon, on peut mieux faire, comme on dit. Hein. Mais c'était dur quand même contre l'Allemagne. Hein. Je crois que Benzema a loupé un but en jeu. Et sinon, ça, le football, je compare sur moi. Moi, je dis, on aurait pu compter le but, quoi. Le but que l'autre, lui, il a fait, on aurait pu le compter. Mais après, ça reste toujours un beau match quand même, mais marquer contre son camp, c'est pas agréable non plus. Je trouve qu'ils ont fait un bon match, bon, à part que l'arbitre était un peu... Hein. Mais voilà, du moment qu'ils arrivent en finale, voilà. Exceptionnel. C'était considéré des Français brésiliens, quoi. Mais ils étaient extraordinaires, rien à dire. Et vive la France, et la France gagnera la finale. Mais on est encore loin de la fin. Donné favori à l'unanimité, les Bleus devront confirmer en battant la Hongrie samedi.